Qui peut sonner à cette heure-ci? Y a quelqu'un? C'est pour moi? J'ai du mal à l'identifier. Oh, j'en sais rien et j'ai pas envie de la goûter pour le savoir. Oh, alerte rouge, beauté en vue. Mais attends, je le connais ce beau garçon. Mais oui, c'est Fernando. Hey, salut Clover. Toi, je suppose que tu es Alex. Oh, il connaît mon nom. Alex, voici Fernando. On est sortis ensemble il y a 1 million d'années environ. Oui, et des bricoles. Puis ma famille est partie en Amérique du Sud. T'es de passage à Beverly Hills? Je m'y suis réinstallé. Alors à plus, les filles. Tu le trouves pas hyper craquant? Si, mais ça va pas te faire drôle de voir ton ex au lycée? Oh, tu plaisantes. J'ai tellement collectionné les conquêtes que je croise des ex toute la journée. Histoire du Brésil, la population brésilienne. Oh, mais il est où ce livre? Je peux t'aider? Oh, je cherche un livre pour compléter mon exposé. Tout sur le Brésil. Mmh. Oh. Ouais, il est super ce bouquin. Ah. Mais celui-là est mieux parce qu'il est beaucoup plus complet. Oh, tout sur le Brésil et même plus? Oh, c'est parfait. Mon rêve, c'est de pouvoir passer tout un été dans les Andes pour m'imprégner de cette culture. Oui, c'est une région extraordinaire. J'y ai fait beaucoup de randonnées. Ce qui serait génial, puisque tu connais vraiment bien l'Amérique du Sud... J'adorerais t'aider à faire ton exposé. Comme ça, on fera connaissance. Enfin, tu me feras part de tes connaissances. Alerte, beau garçon! Deux dans une même journée? Vas-y, décris-le-moi. Je veux tous les détails, Sam. Il est super intelligent, il a beaucoup voyagé, il est grand, il a des cheveux noirs et il a un sourire plus qu'irrésistible. Mais quelle coïncidence! C'est tout le portrait de l'ex de Clover qu'on a vu tout à l'heure. Ah bon? Parce que Fernando est son ex. Oui, alors? Y a aucun souci, Sam, parce que Clover s'intéresse plus à lui, pas vrai? Ne t'emballe pas trop vite, c'est mon ex, petite amie. Mais il vient de me proposer de m'aider à faire mon exposé. Il veut sortir avec toi? On va seulement travailler oui, ensemble. Oui, parce que ça aide à créer des liens. Travaille avec qui je veux. Parfaitement. Tu travailles avec qui tu veux, Sophie. Fernando est un garçon comme un autre. Non, c'est mon ex. Rivalité amoureuse? Ça me rappelle que quand j'étais jeune homme, deux filles superbes se sont battues pour moi. Jerry, je suppose que vous avez une mission à nous confier? Exact. Et le défi à relever est de taille, mesdemoiselles. Dans tout le pays, des hommes entrent dans une transe profonde. Ils attrapent peut-être un virus? Ou quelqu'un les prend pour cible. À vous de découvrir ce qu'il en est. À l'aide de vos gadgets, le sèche-cheveux tornade laser 9000 pour Alex, le mascara lance-filet télescopique pour Sam, et pour vous trois... Une nouveauté, le pendentif top filtre. En cas d'urgence, il se transforme en masque à gaz. Oh ben, c'est vraiment très isolant. Vous aurez également à votre disposition nos derniers jet skis furtifs. À la fois silencieux et très rapides, ils vous permettront d'infiltrer. Sam, à l'appareil. Oh, Fernando, salut. Samedi à 13h, oh, formidable. On s'attaquera à l'exposé. Le samedi, une séance de travail, tu veux rire? Tu dis ça parce que toi, tout ce que tu fais, c'est de vernir tes ongles. Donc, un livreur a sonné et déposé des fleurs devant la porte de Monsieur Bentley? Je n'ai rien à faire de ce livreur. Trouvez qui lui a fait envoyer des fleurs à mon petit ami. Quelqu'un veut me les voler? Ce n'est pas l'une d'entre vous, j'espère. Soyez tranquille. Aucune de nous trois ne serait assez cruelle pour faire ce genre de choses. Oh, waouh! À l'évidence, ce sont des fleurs exotiques. Mais quelles fleurs exotiques?
Hé, attends. C'est une espèce inconnue. Elle n'est pas dans la base de données du Whoop. Vite, les pendentifs top filtre. Désolée, je m'en veux d'avoir... Oh non. Bon, d'accord. Ce n'est pas le livreur qui a transformé Monsieur Bentley en zombie. Ce sont ses fleurs. Ses fleurs veulent lui piquer son petit ami? Ah, vous pouvez toujours souffler, on vous emmène avec nous. Oh, ça, c'est pas très normal, hein, les copines? Venez, on vous emmène visiter un labo très sympa où on vous arrachera les pétales un par un. Retiens ta respiration. Et hop, dans le panier à salade. Jerry, on a deux personnes dans les vapes pour vous avec des fleurs surexcitées en prime. Ça fait une heure qu'on fait les magasins et tu n'as acheté qu'un seul article. Je t'ai rarement vu manquer autant d'enthousiasme. C'est parce que je m'inquiète pour cette fille. T'imagines la claque si son petit ami en préfère une autre? Ton souci, c'est pas plutôt les préférences de Fernando? Non, pourquoi? Le fait qu'il soit en train de travailler avec Sam ne veut pas dire... Clover, ça va? Une séance de travail, c'est ça votre séance de travail? Oui, regarde, j'ai apporté mes bouquins. On vient d'étudier les... Séducteurs sud-américains, ouais, bien sûr. On en a peut-être assez fait pour aujourd'hui, non? On continuera demain à l'heure du déjeuner. Ma tourterelle. Oh, c'est mignon, il t'a appelé ma tourterelle. Moi aussi, il m'appelait comme ça. Bonjour les Super Spice. La fleur que vous nous avez donnée à analyser est un hybride de trois plantes tropicales vénéneuses. Le Narcissus comativus, le Nocibus roseum et l'Acacia vomitivus. Quelle horreur! Qui a créé une variété pareille? Oui, et où? Les plantes tropicales poussent dans des secteurs bien délimités du globe. Il faut trouver l'endroit où ces trois-là poussent côte à côte. Entrons les données géographiques de chacune d'elles. Se recoupe que dans cette toute petite zone. Ça, c'est notre île. La voilà! Fantastique cet endroit, c'est le paradis sur Terre. Surtout pour les fleurs cracheuses de poison. Oh, quand on éclabousse les autres, on dit pardon. Quelques petites variantes. Désolée pour les éclaboussures, sans rancune. Tiens, on les voit plus. Suivez-moi. Je vois aucune fleur cracheuse de gaz. Peut-être qu'on s'est trompé de direction à Hawaï.
sont peut-être les trois espèces avec lesquelles ils créent l'hybride. On dirait qu'ils ont l'intention de zombifier encore beaucoup de gens. Oh, je crois que j'ai trouvé le vomitibus. Oh, allons voir ce qu'il y a là-dedans. D'accord, l'aspect rustique de l'extérieur, en fait, c'était du camouflage. Utiliser le mascara lance-filet télescopique? Mais non, ça c'est mon mascara personnel. Le cerveau de l'opération doit être ici. Et on est au cœur de l'organisation. Attendez, passez-moi les vôtres. T'as besoin de trois comme poudrier? Non, ça c'est mon poudrier personnel. Oh. Moi aussi, j'ai d'autres ressources. On a déjà essayé de dévier des lasers avec un miroir, mais ça n'a pas marché. Le truc, c'est d'utiliser plusieurs miroirs. Règle d'or, toujours avoir du maquillage sur soi. C'est quoi tous ces points rouges clignotants? Regardez les filles, ça me semble être une liste. Mais c'est Monsieur Bentley. Ça doit être la liste de tous les gens qui sont tombés en catalepsie à cause des fleurs. Nous avons de la visite. Rappelez vos fougères, relâchez-nous. Vous voulez déjà nous quitter alors que nous venons à peine de faire connaissance. Permettez-moi de me présenter, jeune fille. Violette van der Fleet, botaniste du 21e siècle. Oui, on connaît la suite. Vous voulez détruire l'humanité avec vos fleurs puantes pour arrêter la destruction de la forêt amazonienne et après vous régnerez sur le monde de votre serre high-tech. Erreur. Quelle imagination! Je ne veux détruire qu'une partie de l'humanité, pas les femmes, seulement les hommes. Fernando... Il y a 5 ans, j'étais follement amoureuse d'un homme merveilleux. Et cet homme-là m'a quittée pour une autre. Vous savez ce que l'on ressent quand cela arrive? Oui, j'en ai une petite idée. J'ai juré qu'un jour je me vengerai de lui et c'est fait. Grâce à la Viola van der Fleetus. Si c'est à lui que vous voulez faire du mal, pourquoi vous en prendre à d'autres hommes maintenant? Ils m'ont laissé tomber aussi. Pour les conseils en matière de séduction, on est à votre disposition. Je ne suis pas la seule femme blessée et folle de rage. Beaucoup d'autres ont été rejetées et nous avons toute envie de vengeance. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, en fait. Je veux dire, votre plan est voué à l'échec. Ah oui? Regardez-moi. Je sélectionne 3 magnifiques fleurs vénéneuses. Je leur injecte un peu d'engrais. Et voilà la Viola van der Fleetus. Et elle peut aussi croquer les bouts des doigts, lancer des épines et projeter de l'acide à 3 mètres de distance. Elle se livre toute seule et avec un échantillon d'ADN, elle peut retrouver n'importe qui, n'importe où. C'est pas juste, parce qu'elle peut s'attaquer à un garçon innocent. Non, ça n'existe pas, les garçons innocents. Tout homme qui n'a pas blessé le cœur d'une femme le fera un jour. C'est pourquoi je vais tous les détruire. Et je vous invite à prendre part à cette entreprise. Je sais que vous en avez envie, vous. On ne le fera pas! En fait, non merci. Oh. Amenez-les au laboratoire des botaniques. J'aimerais qu'elles participent à notre prochaine expérience. Inutile
de faire attendre nos ex, petite amie. Ce serait indélicat. C'est pas mon truc de jouer les cobayes. Oh, quel beau spectacle. Oh non, j'arrive pas à atteindre mon pendentif top fil. Eh, hey, dis donc, tu veux que je t'aide, Malpoli? Ça part pas au nettoyage, ça. Super Spies. Elle s'en va. Elle n'a qu'un avion. Et nous, on a des jets. Hein? Alors, ça vous suffit ou pas? Bon, il faut trouver autre chose. C'est moi qui t'ai créé, imbécile! Lâche-moi! Attaque ces filles! Pourquoi s'est jeté sur elle? C'est la fleur qu'elle vient de créer. Elle doit avoir son ADN. Sans l'antidote fabriqué par le Whoop, Mademoiselle Vanderflit serait prise pour longtemps au piège de sa propre création. Au lieu de cela, elle profitera pendant longtemps du confort de nos cellules. C'est quoi ce débarquement de tourneuse à gazon? Nous allons raser les plantations de Mademoiselle Vanderflit. Vous voulez nous aider? Non, on vous laisse faire, hein. Désolée, on n'est pas doué pour le jardinage, Jerry. Pas de sortie ce soir? Pas de séance de travail avec Fernando? Je ne voulais pas mettre notre amitié en danger pour cette stupide histoire de garçon. C'est pour ça que j'ai effacé son numéro de mon portable. Oh, Sam, tu t'es sacrifiée pour moi? Oh. Oh. Oh là là, toi, t'as un rendez-vous ce soir, hein? Oh, c'est pas ce que tu penses. Je vais qu'à une séance de travail. Ah. Attends, je veux voir comment il est. Oh, un bouquet de fleurs! Sans blague! Fernando!
Ma tourterelle. Mon tourtereau. C'est avec Fernando que t'as une séance de travail. Oui, on va réviser ensemble à l'accroche-cœur. Ensuite, on continuera au multiplex et on ira se poser des questions pièges au bord de l'eau. Ça vous ennuie pas que je sois studieuse? Je vous demande d'accueillir chaleureusement votre millionnaire préféré, Thomas Hanson. Merci d'être venu m'encourager pour ma 4e tentative de tour du monde en ballon. Vraiment, cela me comble de joie que vous puissiez vivre cela à travers moi. Ciao, ciao. Eh bien, j'ai plus faim que je croyais. Avant d'avoir dévoré les derniers potins sur les multimillionnaires. Respectez les priorités. Par exemple, est-ce que vous saviez que les Super 4 échangeaient leurs hôtels comme des cartes de jeu? Les Super 4? C'est pas le nom d'une équipe de super-héros, ça? Oh, tu me désespères. Enfin, Sam, les Super 4 sont les 4 personnes les plus riches de la planète. Il y a Kimberly Kelly, une star de la pop vénérée par des millions de fans. Elena Sims, présentatrice d'une grande émission de télé. Chester Bates, génie de l'informatique et généreux donateur. Avec les moyens qu'il a, il pourrait s'offrir des lentilles de contact. Et Thomas Hanson, un aventurier de classe internationale hyper séduisant. Bon, d'accord, ils sont riches. Et alors? Dans la vie, il y a des choses plus importantes que l'argent. Quoi? Quoi? Oh, je vous l'ai dit, des choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont milliardaires que ce sont des gens à part. Je suis sûre qu'ils ont une vie normale et occupent leur journée exactement comme tout le monde. À jouer à qui a la plus grande limousine. Ah, parce que pour toi, c'est normal d'avoir une voiture de 9 mètres? Vous attachez trop d'importance aux choses matérielles. Je vais vous prouver qu'on peut se passer des produits de luxe. Tiens, à commencer par des sushis pour le déjeuner. On va s'en débarrasser en quelques coups de baguette. C'est gentil, Clover, mais j'avoue que je n'affectionne pas particulièrement le poisson volant. Jerry, ce maquis est tout ce qui restait de mon déjeuner. Il y a plus grave. Les 3 personnes les plus riches du monde ont été victimes d'un rapt. Quelle coïncidence! Ce qu'on était en train de lire les concernait. Oui, on commentait à un magazine People. Parle pour vous deux, je n'ai pas participé à ces commérages sans intérêt. Bon, vous avez des infos à nous communiquer? Je n'en ai qu'une. Voici le seul indice que nous avons. On a trouvé des trous bizarres creusés sur les lieux de chaque enlèvement. Mais on ignore qui les a faits et comment. Soyez tranquille, on les retrouvera et on vous livrera ceux qui se sont permis de s'en prendre à ces gens-là. Navré de vous décevoir, Clover. Votre rôle ne sera pas d'éclaircir l'affaire. Vous aurez pour mission d'assurer la protection de la prochaine victime présumée. Milan Slayton, propriétaire d'une chaîne d'hôtels et 5e fortune du monde. Waouh! Parmi tous les gens riches, c'est notre préférée. J'adore son style. Elle a une garde-robe de folie. Elle froufrou est le plus adorable petit chien du monde. Oh, je vous en prie. Elle est superficielle, matérialiste et de plus insignifiante. Et si les 3 personnes les plus riches du monde ont été kidnappées, pourquoi on ne protège pas plutôt la 4e en titre? Ce serait logique, mais Chester Bates a refusé notre aide car il est sûr que son système de sécurité le met à l'abri d'une entrée par effraction. En revanche, Milan a accepté notre protection, mais elle l'a fait de mauvaise grâce. Voici votre sélection de gadgets. Micro-oreillette pour communiquer entre vous, lunettes de soleil détectrices à infrarouge, bottes à talons perceurs et pendentifs à
montre de pistage que vous pourrez toujours localiser grâce à vos coms poudriers. Je refuse. Moi, je veux renoncer à toute possession et vous me donnez une pierre précieuse, ça va pas? Oh, rassurez-vous, Sam, c'est pour Milan. Dans ce cas, j'accepte, mais sachez que c'est à contre-cœur. Le ravisseur peut surgir à tout moment. Soyez toujours vigilante. Oh! Oh, c'est raffiné, ça. Hein? Une tranche de poisson cru. Mais comment peut-on ingurgiter cette chose? Oh, regardez! C'est super, tout ce rose. On dirait un bonbon. Ouais, un peu trop sucré. Ah, tu es jalouse parce que tu n'aurais pas les moyens de te l'offrir. Ah, on dirait qu'il y a un problème. Venez! Maîtrisé. Oui, elles n'ont même pas essayé de se défendre. Oh. Oh. Milan, ça va? Vous n'avez rien? Pourquoi avez-vous fait ça? Comment avez-vous osé lever la main sur ces doigts de fée? Des doigts de fée? Les fées, c'est pas censé être méchant. Ce sont mes masseuses. Bravo, j'espère que vous n'êtes pas mes nouvelles employées. Parce que si c'est le cas, dehors, vous êtes renvoyées. Bonjour, je m'appelle Clover et voici Alex et Sam. Le Whoop nous envoie assurer votre protection. Je vais être obligée de supporter la vue de vos affreuses combinaisons. Mais dis donc, comment ça, affreuse? Oui, je le répète, affreuse. Je sais ce que je dis, on soldait les fins de série de l'année dernière. Ah oui, excusez-moi, vous avez bien dit les fins de série? On est ici pour assurer sa protection, n'oublie pas. Et je vous autorise à le faire malgré vos manières de rustre, à condition que vous ne gêniez plus mon précieux frou-frou et moi. Oh, mon petit frou-frou, tu as été choqué par leur manque d'éducation. Vous ne nous appréciez pas et on ne vous apprécie pas non plus. Alors si vous voulez qu'on garde nos distances, portez ce dispositif de pistage. Une émeraude? La couleur n'est pas assortie à la palette de ma garde-robe. J'aime les gros diamants. Les diamants roses. Oh, jamais de ma vie je n'avais vu une aussi magnifique pluie d'étoiles. Oh, oui. Je porterai ce collier débile si vous l'empêchez d'approcher de mes bijoux. D'accord, on l'éloigne. Il y a quoi que ce soit, mademoiselle, on est dans les parages. Attendez, je peux en essayer un, s'il vous plaît. Waouh, même sa piscine est un bijou. Rien à signaler? Non, rien à part qu'elle doit faire tondre sa pelouse au ciseau à ongles. Et de ton côté, Clover? Oh! J'ai touché le jackpot! Son dressing est plus gros que ma chambre! Arrête de rêver et assure-toi qu'aucun danger ne la menace. Très bien. Au secours. Qu'est-ce que c'était? Je vais voir ça de plus près. Qu'y a-t-il, Jerry? Je viens de recevoir un appel de détresse de Chester Bats. Alex et vous, rendez-vous immédiatement chez lui. Sam, continuez de surveiller Milan. On y va! Oh, j'ai hâte de voir son dressing. Pourquoi c'est moi qu'on transforme en nounou de service? Oh, cet excès de luxe me donne la migraine. Signalisation, attention au mur invisible. Son système de sécurité est toujours opérationnel. Pourtant, on s'est introduit chez lui. Oh, Clover, regarde, on a creusé un trou. Et un tunnel. Un tunnel pour un elfe? Parce qu'il est drôlement étroit. Attends, écarte-toi, je vais l'élargir avec mes talons perforants. Si je voulais un bain de boue, j'irais en thalasso, Alex.
Chester Bates a été enlevé ou il a donné une méga fête. Peut-être qu'on trouvera un indice en remettant de l'ordre. Si j'avais été invitée à la fête, à la limite, mais là... Hé, regarde! Il y a quelque chose qui brille. Oh, un beau diamant rose. On connaîtrait pas quelqu'un qui porte des diamants roses? Oh non, Sam, débarrasse-toi au maximum de ce que tu possèdes. Tu peux annuler ton abonnement au magazine de fitness, donner ton ordinateur à une école, oh, et renoncer à ta collection de chaussures. Oui, et si tu marchais pieds nus? Chester Bates a été enlevé dans sa villa. Et on croit que Milan est impliquée dans l'affaire. Elle n'est pas sortie, d'après le signal. Vous voyez, elle n'a pas bougé depuis des heures. Ou alors elle a enlevé l'émeraude. J'espère que vous avez une bonne raison pour avoir explosé une deuxième fois à ma porte. Bien, peut-être qu'on s'est montré un peu impulsive. Et on peut savoir d'où il vient, lui? Mon petit froufrou a une envie pressante. C'est un problème. C'en est un pour vous. On a trouvé ce diamant dans la villa de Chester Bates et il provient de son collier. Alors on a la certitude que votre chien et vous êtes impliqués dans son enlèvement. Pauvre petit froufrou. Tout ce qu'il fait de temps en temps, c'est qu'il... déchiquette les déchets. Regardez, Foufou se prend pour un chien d'attaque. Parce que c'est adorable. Des aboiements féroces sont parfois pires. Que des lasers. C'est quoi ce son horrible? J'en sais rien, mais j'ai la tête qui va exploser. C'est pire que de la techno. C'est bien, mon ange. Je suis fière de toi. Oui, très fière. Tu es un brave chien robot qui t'a commandé au Japon. Hein? Qui t'a programmé. Oui, tu le sais, c'est moi, trésor. Tiens, voilà des friandises. Tu adores les friandises. Oh, où on est? Dans le dressing de Milan. On est prisonniers. Aidez-nous. Oh. Oh, il m'avait bien semblé entendre un bruit suspect. Et puis, une fille qui mélange petits ensembles d'été et tailleur pantalon strict a forcément quelque chose à cacher. Oh, quelle chance, vous êtes tous réveillés. Oui, juste à temps pour vous entendre dire pourquoi vous enlevez des milliardaires. Eh bien, c'est simple, parce que je ne suis pas contente de n'être que cinquième sur la liste des personnes les plus fortunées. Il faut que Milan soit la première. Et comme je ne sais pas comment faire pour gagner de l'argent, je dois écarter mes concurrents. Et maintenant qu'ils sont tous réunis ici, je vais pouvoir en prendre définitivement congé. Avec mes excuses les plus plates. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Oh, peu importe. Kimberly Keller, je suis une de vos grandes fans. Oh, c'est gentil. Mathieu, Sean et vous avez vraiment vu. Parce que j'ai lu dans le mur des murmures qu'il embrassait comme personne. Le moment n'est pas idéal pour discuter de ça. On les a sous la main. C'est l'occasion rêvée pour en savoir plus sur les riches. Chester, est-il vrai que vous avez plus d'argent que certains pays? Oui, c'est exact. Pourquoi vous ne l'utilisez pas pour sortir d'ici? Ah, vous voyez, l'argent ne peut pas tout acheter. Oh, détends-toi, arrête, Sam. Excusez-la, elle a un gros problème avec les choses matérielles en ce moment. Oui, elle va finir bergère ou hippie. Mieux vaut vivre avec des moutons que de tondre les autres pour s'enrichir. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, les murs! Trouver quelque chose où on va se faire aplatir. Oh, j'ai une idée. Vous vous rappelez les cours de yoga? Oh, bien sûr, on y allait toutes les semaines. Exercice de respiration profonde, les filles. Attention, prête? Prête? Mais à quoi ça sert? Inspirez.
respirer. On expire à fond et on bloque. Vous voyez, les cours de yoga, c'est pas cher et c'est utile. Bien joué, Sam, génial. Oui, j'aurais jamais cru que le yoga sauverait la vie. Ah, désolé, mais et nous? Elle a bien pu passer. Peut-être qu'elle a toujours le bijou. Oh, je t'en prie, Sam. Pour avoir gardé l'émeraude de pistache sur elle, il faudrait vraiment qu'elle ait... un nuage de libellule dans la tête ou des bulles. Oh oui. Encore oui. Magnifique. Mon rêve se réalise. J'ai toujours voulu faire la couverture de Rich Magazine. Oh. Comment? Qui ose interrompre ce délicieux moment? Nous, on ose! Vous ne connaissez rien à la vie. Vous voulez être la plus grande fortune et être dans ce pauvre magazine. Eh, hey, mais attends, c'est super, Rich Magazine. Vous avez échappé au piège que je vous ai tendu. C'est pas grave. Froufrou! Occupe-toi de ces méchantes, méchantes filles. Échapper à ça. Vite, bouchez-vous les oreilles. Vas-y, petite bestiole, tu peux aboyer tant que tu voudras. On n'entend plus rien. A besoin d'un bon bain. On va arranger ça. Hé, hey, Froufrou, viens ici. Au pied. Un vrai chien serait chiche de le faire. Montre-moi si tu en es capable. Allez. Oh non, au secours. Je me trouve piégée au bout de ce plongeoir. Oh, si ce redoutable chien bondit sur moi, je ne saurais comment m'échapper. Bien joué, bravo Alex. Je savais bien que les cours de trampoline me serviraient un jour. Vous croyez que tout est fini? Pas du tout. Est-ce que vous savez qui je suis? Oui, une personne qui va rester des années en cellule pour kidnapping. Hé! Vous pouvez pas faire ça! Je suis trop riche pour aller en prison!
Excellent travail, les Spice. Qui aurait cru que la kidnappeuse était la personne que vous protégiez d'un kidnapping? Oui, drôle de retournement de situation. Merci à vous trois de nous avoir sauvé la vie. Génial, la démonstration. Ouais, c'était un beau spectacle. J'ai adoré. Nous voudrions vous remercier. Que peut-on faire pour vous? Oh, rien, ce n'est pas nécessaire. Oh, une minute. Vous êtes tous milliardaires et il est vrai que j'ai besoin de renouveler ma garde-robe. Oh, je rêverais d'avoir ma propre salle de gym. Et toi, Sam? Moi, je voudrais une île privée et évidemment un yacht pour rejoindre mon île privée. Oh, ce serait merveilleux. Merci à vous, mais les agents du Whoop n'acceptent pas de cadeaux. Notre grande récompense est d'aider les autres. Non, mais c'est d'un commun. Alors que deux, trois petites robes de chez Fabio Salsa, c'est totale tendance.